Miss Rachid, tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un prank? C'est ça, un prank, quoi. On va refaire un prank aujourd'hui, j'ai une méga idée. Tu sais qu'il y a, qui revient aujourd'hui de son super concert? Wesh! Ouais, c'est ma grande sœur Weshden. Il y a Weshden qui rentre à la maison, elle a fini de faire sa tournée en Amérique, ça y est, elle revient. Du coup, j'ai décidé de la pranker. Je vais la pranker, enfin on va la pranker du coup, on va la pranker. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox, le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offer Taureau, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va d'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur Gems Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transaction in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Roblox gratuits. En fait, elle revient de son concert et elle a laissé son petit copain à Brookhaven. Et du coup, Anissa aussi est restée, donc Anissa c'est sa meilleure amie. Et donc on va lui faire croire quand elle est rentrée qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a son copain qui l'a trompée avec Anissa. Du coup on va lui annoncer ça et puis on va voir on va filmer sa réaction comme d'habitude. C'est parti. D'accord. Ok, on va filmer l'intro. Et salut les amis, c'est Chassis Prank YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui avec Miss Rachid comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prank. Voilà, on va attendre que ma sœur Weshden elle rentre. Comme d'hab, on planque des caméras et on va lui faire croire que son copain l'a trompée pendant qu'elle était pas là. Ça va être trop bien les amis. Abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu et c'est parti. Ouais. Parfait. Allez, go. Si elle m'envoyait un message, elle arrive dans pas longtemps là. Hop. Ok, on planque rapidement. Attends, on va mettre la caméra. Les là. Caméras. Parfait. Attends, on va mettre une ici. Hop. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Ok. Oh, bah tiens, ça sonne. Ça doit être Weshden qui rentre là. Weshden. Salut. Oh, grande sœur. Vas-y, rentre. Oh viens, my god. J'ai acheté okay. Tous les albums. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Tu parles avec une Anissa. Mais moi, je m'appelle Weshden. Weshden. Non, ah, trop bien. Tiens, moi aussi, j'ai les mêmes gènes que toi, Weshden. Je sais trop bien chanter. Oh. Bon. Okay. Ok. Bah ça va, mais ça va pas trop en fait. Il faut qu'on te parle. Quoi? Vraiment, genre sérieusement. Mais je pense qu'il faut que tu t'assoies là. Assieds-toi, Weshden. Okay. Assieds-toi. Faut que je te parle. Alors. Dis-moi. Il se passe un truc. Oui. Il se passe un truc. Ça fait un petit moment que t'es partie. Voilà, t'es allée chanter. En Amérique, ouais. Hein, t'as pas pris ta petite sœur favorite, mais bon, je retiens, c'est pas grave, t'inquiète. Je suis désolée. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ton absence, il y a eu pas mal de rumeurs et pas mal de choses qui se sont produites à Brookhaven. Et malheureusement, c'est pas une bonne chose pour toi. Parce qu'en fait, tu vois, ton copain, on est d'accord, t'es toujours avec lui, Riyad. Ouais, mais t'es sûre que ça va là? Ouais, bah écoute, en fait, il y a des trucs qui se passent en ville, il y a des choses qui se disent comme quoi Riyad passerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec Anissa.
Attends, t'es sérieuse là? Ouais. Non, t'es pas... non, c'est une blague. C'est... Ouais. C'est encore un de tes pranks là sur ta chaîne. Bah, c'est pas possible. Bah non. C'est pas un prank, de toute façon. C'est pour ça que je t'ai demandé si t'étais toujours avec. Parce que je me suis dit, ouais, ils sont peut-être plus ensemble. Oh. C'est pour ça qu'ils traînent avec Anissa. Oh mon dieu. Bah ouais. Je. Ça va? Non, mais franchement. Attends, j'ai la tête qui tourne là. Ah ouais, Miss Rachi, la dernière fois, on l'a même vu manger au McDonald's. Il bouffait des burgers, des Big Mac avec Anissa. Ah, je m'appelle Anissa, elle lui a touché les côtes. Ouais, ils ont même pris deux pailles pour un gobelet. Attends, quoi? Attends. Et c'était attends. Même un milkshake à la fraise, double banana. Ah ouais, double attends. Banana. Ah, les vénères, il est on dirait un vampire. Ça va, Eugène? Tu vas bien? Ah, c'est peur! Tu crois que ça va bien, là? Bah, je comprends, mais du coup, je pensais que vous étiez plus ensemble, que c'était normal. Alors, comme ça, tu m'as trompé. Alors là, c'est pas du tout le moment. Ah! Il est où? Rachi, hein, c'est pas le moment. Hein. C'est pas il le moment, est où, là? Rachi. Que je bah, pète la gueule. Bah, au pire, je sais pas, appelle-le. T'as cru okay. que j'allais pas capter. Ok, attends. Allô? Oui, allô? Tu rigoles, là? Tu peux m'expliquer, parce que là, je comprends pas. Non, mais tu sais très bien ce que t'as fait. Non. Attends de m'expliquer, hein. Tu fais l'innocent, là, non? Pas du tout, j'ai rien à voir... j'ai rien fait, quoi, je comprends pas. Bon, je t'explique, si tu mens, ça va pas aller du tout, donc tu ferais mieux ah bah de dire la vérité, tout de suite. Pourtant, je ne mens pas du tout, j'ai rien fait du tout, donc je comprends pas ta réaction, en fait. Fais-le venir. Bon. Je comprends pas. Viens, chez moi, tout de suite. Non, mais viens. Y'a pas de soucis, j'arrive. Viens. Hop. Oh my god. Quel mesquin. C'est incroyable. Bon, par contre, arrête-toi. Pourquoi il y a un ballon qui vient de descendre l'escalier? Je sais pas, ça doit être... Ouais, ça doit être mes darons qui sont en train de jouer... Enfin, du coup, nos pères. Ça m'étonnerait. Non, mais à mon avis, ils sont en train de jouer à un jeu trop drôle. Ça sonne, non? Entre tout seul, là. C'est bon, tu peux. T'as deux jambes. T'as ramené Anissa? Bah, non. Ah, tu veux pas commencer, bah, Anissa? Si, je l'ai vu, Anissa, elle est là. Anissa! Bon! Anissa! Ria, tu viens. Ria, ouais. Tu viens, faut qu'on parle. Anissa, viens à la maison. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non. T'es pas au courant de ce qui se passe, non? En plus, Wajden, c'est trop bizarre. Il y avait Anissa, elle était cachée dans les fougères. Bon, c'est... arrête de parler, c'est toi. Suspect. Là, je suis en préoccupation, là. Arrête de parler. Oh, c'est vrai que c'est un mot totalement français, dis donc. Vas-y, explique-moi, je comprends pas, là. Tu vois, pendant que j'étais pas là. Ouais? Que j'étais à mon concert, là. Et bah, t'en as profité! Réfléchis! Avec qui? Anissa va trop vite! Bon, tu me saoules! Ah, Anissa, c'est juste une bonne pote, hein! Y'a rien de plus! Ah, t'es sûr? Je ah suis ouais, sûr, mais vraiment! Tu te moques de moi! Mais pas du tout! De moi. Pas du tout, pas du tout! C'est juste une bonne pote! Et ça changera pas! Bon, dégage de chez moi. Dégage. Non, faut pas qu'il parte. Non, reste assis. On va tirer ça au clair. Parce que là, pour le moment. Pourquoi je partirai? J'ai rien à dire, j'ai rien à me reprocher, donc je ne partirai pas. Ah ouais, mais attends, explique-toi alors. Pourquoi, en fait, quand t'es venu, comme par hasard, il y avait une Anissa cachée dans les fougères? Tu lui laisses. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Oui, c'est un cauchemar, je peux pas vivre ça. Je suis venu tout seul, donc je ne comprends pas en fait. En rien, non. Faut pas t'imaginer des choses. Tu vas pas sérieusement. Oh là. Bien fait. Non mais. Calmez-vous là. Baissez vos armes. J'ai rien fait, ok. Baissez vos armes. Arrêtez, papa. Non mais. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui a trompé ma fille là? C'est Riyad. C'est le mec. Anissa, oui. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Pointe-le l'homme là, il a l'air de pointer, c'est là. Bouge pas. Reste tranquille. Ok. Ah, mais mon bébé est mort. Ok.
Ok, ok, dites la vérité là, sinon mes papas ils vont se vénère. Est-ce que Anissa, t'as couché avec Riyad? Non. Attends, t'as une arme pointée sur toi, mens pas. T'es couché avec mon McDo. Si tu mens, on tire. Donc tu ferais mieux de dire la vérité. La vérité, on tire aussi, hein, je rappelle. Hein. Ouais, vous êtes chaud là, quand même. Non. Me tirer dessus carrément alors que j'ai rien fait, je comprends pas. Bon, voilà. Par contre. Ici. Écoute, j'ai pas ton temps, petit, d'accord? J'ai pas ton temps, là. Moi et ma femme, on était en train de faire un foot, là, tu vois? Je sais pas si tu comprends ça. Ouais. On était en train de faire un foot. C'est pour ça qu'il y a un ballon qui a descendu de l'escalier. Non, en fait, Oui. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, on écoute, là, et ça tient pas, les arguments, là. Alors dis-nous, fils. Oui, il a trompé. C'est pas vraiment trompé, mais... Vite, t'as 10 secondes. Vas-y, continue, dépêche-toi. C'est arrivé une fois, mais après je t'ai jamais trompé. Une fois. Ça arrive une fois. Juste une seule fois. Juste une seule fois. Ça m'est jamais arrivé, sinon c'est là. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Je sais, mais c'était comme ça. C'était un accident. C'est. Mais pourquoi? J'ai pas pu. Ça ne peut pas être un accident. Ça ne peut pas être un accident. Non, ça ne peut pas être. Viens, on fait des choses, je te promets. Elle ne sera pas. T'as vu ce que Anissa a dit? T'es sûr que c'était une seule fois? Ah oui, une seule fois, une seule fois. Après, j'ai pas fait. Non, quand même. Je suis jamais pas. C'est accidentel. Je te promets sur ta vie, mais c'est accidentel. C'est vraiment un accident. Ma fille. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous faites un peu peur là. Je l'ai pas tué non plus. Ma fille, oh, calmez-vous. Oh, chut. Calmez-vous, y a mes papas qui veulent parler. Wow, vous allez vous calmer. Ah, je vais baisser la dose de perrocard, le matin. Ouais, ils sont un petit peu trop excités, les filles, là. Ouais, écoute-moi, toi, t'as 10 secondes pour courir. Vraiment, très, très vite. 5, 8, okay, je vous laisse tous et au revoir, hein. 10. Au revoir. Viens, c'est. Mais t'as vu, Miss Rachid? Mais je crois que ce prank, c'est pas une bonne idée. Mais moi, je savais pas qu'il l'a trompé vraiment, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Anissa, saloperie. Pas crevé. Oh, je vous expliquais l'histoire. En gros, ce tocard, il est venu me draguer, il m'a fait « Ouais, tout, elle est pas là, ta sœur. » Et tout, il m'a embrassée, genre, voilà. Vous êtes les pires. Pourquoi vous avez fait ça? C'est pas de ma faute, il est venu me draguer, tout, il est venu en mode gros... Pourquoi t'as fait ça, là? Pourquoi t'as vu ça, Anissa? Pourquoi t'as pas fait quelque chose pour que non? Oh là là, les filles, oh, montez dans votre chambre là, oh, vous commencez à prendre les nerfs. Arrête de pleurer. Bah non, c'était la vérité, mais moi je suis choquée, je pensais pas qu'il l'a trompé vraiment, je te jure, je croyais qu'ils étaient in love et tout, que c'était tout allé hyper bien. Franchement, je suis choquée. C'est vraiment parti en couille ce prank d'habitude, mais mes pranks se passent toujours bien et là je comprends pas, ça brillait. La dernière fois, grâce à un des pranks, c'était super, tes parents ils sont morts, t'imagines? Bah ouais, j'ai fait v'là les vues sur ma vidéo et tout, ça, tout s'est bien passé là, je comprends pas. J'ai vu, t'as même gagné 1 million en plus grâce à ça. Bah ouais, honnêtement je crois qu'avec cette YouTube monnaie, il faudrait peut-être qu'on se prenne des vacances là un petit peu là. Non, moi j'ai une idée, viens, on s'achète une villa juste pour toutes les deux. Voilà, on va faire ça et on va prendre des vacances là. Hein. C'est chaud l'ambiance là. Le prochain prank, on le tourne à la plage. Vas-y. On fait genre, on s'achète une villa. Vas-y, voilà.